Eh bien, c'est tout le monde, c'est Destruire. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite vidéo séance de driftage. Le drift, comme vous voulez. J'ai voulu faire cette vidéo parce que j'avais envie et en plus, je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire ça pour montrer comment tu driftes sur certains jeux. Là, en l'occurrence, j'ai pris The Crew et sans plus attendre, je vais vous montrer comment drifter à ma façon ou pour moi, c'est comment je drift. Bref, allez, on passe tout de suite. Et bien donc maintenant on se retrouve avec la Nissan GT-R Skyline. Je préfère prendre celle-là. Pourquoi? Parce que j'arrive bien à la conduire, j'arrive bien à la manier. Elle est assez facile à conduire, à drifter aussi. Enfin en fait elle est assez maniable. Elle tient bien la route. Enfin, oui, elle tient bien la route, mais en même temps elle patine assez bien. Et je préfère vous prévenir aussi avant que ce n'est pas un documentaire comment drifter nanani nanana. Non, je vais juste vous dire comment moi je fais pour bien drifter. Bon en l'occurrence là j'ai roulé un peu sur l'herbe, mais vous inquiétez pas. C'est fait exprès, je fais juste chauffer les roues. Vous allez me dire, ouais, mais The Crew, c'est pas non plus un simulateur comme Forza ou Gran Turismo ou Drive Club, et après il y en a d'autres, mais je connais pas les autres noms. J'ai cité ceux que je connaissais, les plus grands. Mais, ou de drift, ou de jeu de drift. Mais oui, c'est sûr que tant que tu peux drifter dans un jeu vidéo, si tu fais chauffer les pneus, ça marche. Je pense en tout cas, parce que moi, quand je fais chauffer les pneus, ça marche. J'arrive mieux à drifter. Donc, en l'occurrence, là. Je vais vous passer cette séquence-là pour drifter les pneus. Je vous mettrai une photo de la carte où j'étais à ce moment-là. Si vous voulez, pardon, aller vous entraîner là où j'étais, vous pouvez. C'est The Crew, vous pouvez faire ce que vous voulez. Sauf sortir de la voiture, ça c'est pas grave, mais on s'en fout. Bref, je m'éloigne un peu du sujet, donc on se retrouve juste après quand j'aurai fini de chauffer mes pneus. Pardon, à tout de suite. Et eh bien donc maintenant on est parti pour une petite séance de drift. Là c'est le premier virage, il est assez simple. Ça va. Après le second aussi, il est assez simple. Mais en fait, il y a une méthode que j'avais conseillée à Lucas, un bon ami à moi. Très bonne. Très bon, pardon. Et je l'avais dit, écoute mec, en fait pour bien drifter, on était sur The Crew pour assez bien. Enfin pour bien drifter, en fait, pour réussir ton drift, tu fais un dérapage et tu mets un coup de nitro. Mais en fait, quand j'ai tourné cette vidéo-là. C'est pas du tout bon en fait. Ça marche dans quelques endroits, mais là où je suis, ou la plupart du temps, c'est pas bon. Donc en fait, ce qu'il faut faire, c'est très très simple. Après, je pense que c'est mieux de le faire avec un volant. Bon, un volant, bien sûr, branché à ta console, hein. Peut-être pas en vrai, hein. Mais après, tu fais ce que tu veux avec ta voiture. Mais ce que je veux dire, c'est que en fait, tu fais un drift. Et du coup, quand tu fais un drift, tu mets ton joystick vers la gauche ou vers la droite. Là, en l'occurrence, ça va être vers la droite. Donc. Quand tu fais le ton drift vers la droite ou vers la gauche, du coup, tu touches plus à ton joystick. Tu laisses partir ta voiture vers la gauche ou vers la droite et tu touches plus au joystick. Parce que si tu essaies de toucher au joystick, la voiture, en fait, ça va faire forcer les roues avant. Ça va les forcer, en fait, à. Comment dire? Après, je suis pas un spécialiste des voitures, donc je connais pas tout. Mais moi, ce que j'ai appris en l'occurrence sur The Crew, c'est que si tu forces sur les roues. Enfin, sur le joystick à tourner à gauche ou vers la droite pendant ton drift, ça va pas marcher ton drift, il va pas bien marcher. Non, non. Du coup, ce qu'il faut faire, faut laisser la voiture se balader, faut la laisser drifter toute seule. Et dès que tu vois que t'es à la fin du virage, bah là, tu peux reprendre ton joystick. Mais vous allez me dire, oui, mais dans tous les cas, ça revient même. Oui, mais en fait, au moment où tu reprends ton joystick, tu lâches un peu l'accélérateur et tu repars, pardon. Et là, ça passe. Et après, bah, tu peux aussi pendant le dérapage. Lâcher un peu l'accélérateur, donner des petits coups d'accélération et des petits coups de frein aussi, bien sûr, pour faire déraper la voiture. Parce que si tu avances à fond, tu braques le volant. Bon, je vous dis volant, mais c'est juste si vous m'avez compris. Si tu braques le volant et en même temps t'accélères à fond, tu vas pas du tout réussir. Non, donc il faut justement mettre un petit coup de frein. Mais le frein à main, je vous le déconseille un peu parce que, enfin, faut réussir à manier le frein à main parce que c'est assez dur de manier le frein à main. Et surtout donc, quand tu fais un drift. Donc, ce qui est bien, enfin, ce qu'il faut faire, c'est faire ton drift, comme je t'ai dit, et mettre un petit coup de frein. La gâchette de gauche, donc L2. Ou ça dépend si toi t'as changé les touches. Mais bon, tu mets un petit coup de L2 ou R2. Non, R2 c'est pour accélérer, mais bref, tu m'as compris. Et du coup, regarde, même en vue intérieure, c'est la même chose. Bon, là, j'ai un peu foiré, pourquoi? Parce que j'ai continué avec mon joystick. J'ai voulu avec mon joystick résister au dérapage, mais justement ça n'a pas marché. Donc ce qu'il faut faire, c'est justement laisser faire partir la voiture. Regardez,
Bon, là, j'ai repris un peu trop tard. Mais un peu trop tôt, pardon. Mais du coup, vous voyez, ça marche pas. Ça marche, mais après, ça peut faire un peu n'importe quoi. Là, j'aurais dû faire plus déraper à voiture, atterrir plus et me faire déraper. Après, il y a des endroits où tu peux faire déraper à voiture comme tu veux. Hein. Mais surtout, ce que j'aime bien, c'est aller ici. Et quand il pleut, c'est le top. Parce que quand il pleut, la voiture, elle glisse, ça déchire et tout. Mais bon, c'est un petit détail. Mais de toute façon, quand il pleut, dans tous les jeux, quand tu conduis, c'est le top. Hein. Ah bah oui, c'est le top. Hein. Quand tu veux faire un drift, c'est le top. Mais bon, un truc aussi qu'il faut savoir, c'est que juste avant d'arriver à un virage, lâchez l'accélérateur. Pas, freinez pas, non, non. Lâchez l'accélérateur. Si vous arrivez, pardon, à 130 ou des conneries comme ça, ou à... Bon, 130, c'est rien dans le jeu, donc 300 km/h. Lâchez l'accélérateur bien avant le virage. Comme ça, tu te prends pas la grille ou le fossé ou ce qu'il y a juste après. Justement, faut bien négocier le virage. Après, quand tu connais bien le virage, enfin, quand tu connais bien la route, c'est facile. Du coup, cette route-là, en fait, je la connais depuis peu. Et j'aime bien aller ici parce que ça descend. Et si tu passes par là où je passais, par la gauche, ça remonte. Et après, je crois que ça redescend, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est assez cool. Ou alors, ça monte toujours. Mais ça, c'est assez cool. Du coup, je vais vous laisser une petite séquence avec de la musique. Une séquence de drift, tout simplement. Et oui, et aussi, je vais changer de voiture pour vous montrer d'autres voitures. Bon, là, je suis carrément parti autre part. Mais bref, je vais vous montrer une petite séquence. On s'arrête là parce que sinon, je vais continuer à parler. Ça va être chiant. Bref, à tout de suite. Regardez, en plus, je me suis foiré. N'importe quoi. Too tough to heal. I need it.
Eh bien voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette petite séance de drift. Enfin, au début je vous parlais, mais après j'ai laissé les vidéos parler eux-mêmes. Et en tout cas j'ai fait un bon travail dans le montage et tout. Et là c'est assez cool ce que j'ai fait. Je suis fier de moi, oui je vous parle comme ça, oui je suis fier de moi. Donc j'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo qui a duré 12 minutes. Ça va, c'est pas non plus très ouf. Donc pour du drift ça va, hein. Mais après, il y a des morceaux que j'ai pas mis parce que je me suis bouffé des murs ou des choses comme ça. En même temps, le drift, c'est pas tout le temps facile. Bref, du coup, les amis, je vous laisse. Une bonne journée. Je vous espère une bonne journée. Est-ce que vous voulez votre journée? Bon, vas-y, je coupe la vidéo là. Allez, ciao, ciao tout le monde. N'oubliez pas le pouce bleu et après, ciao, ciao. Allez, peace.